présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur RFM. Je suis ravi de recevoir ce groupe de rock français. Si je dis Robin Fex, Arnaud Samuel et Gaëtan Roussel, bonjour les Louis Attac. Bonjour Bernard. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir tous les trois. C'est la première fois que je vous reçois enfin tous les trois. La dernière fois, j'avais Arnaud Samuel et Gaëtan. Là, on a Robin Fex, bassiste et graphiste. Et en plus, l'album est sorti le 1er septembre, une nouvelle édition de Planète Terre avec 4 titres inédits. On en parle une heure avec Louis Attac, c'est sur RFM. Le plaisir d'accueillir Louis Attac, Je t'emmène au vent. Évidemment, c'est un des plus gros succès, ça date des débuts. Alors justement, les Louis Attac, je voudrais, avant de parler de cette nouvelle édition de Planète Terre avec ses 4 titres inédits, dont un avec Texas, évidemment, que l'on diffuse très largement sur RFM. J'aimerais qu'on revienne à vos débuts, justement. Vous, par exemple, Robin et Gaëtan, vous connaissez depuis très très longtemps, depuis l'école. Oui, le collège, ouais. Ouais, c'est ça. C'était à Montargis ? C'était près de Montargis, à Châtillon-sur-Loire, exactement, dans le Loiret. Et en fait, tu t'es destiné à quoi ? Être graphiste ? Parce que tu as eu un DES, c'est ça ? Une maîtrise. Voilà. Ouais, une maîtrise d'art plastique, ouais. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est toi qui, évidemment, dessines les couvertures et cette fameuse Louise. Ouais. Gaëtan, rappelle-nous Louise. Pourquoi Louise et pourquoi Attac ? Alors, Attac, je sais, c'est le côté punk, peut-être, que vous souhaitiez au démarrage ? Ce qu'on souhaitait au démarrage... C'est ce que tu avais déclaré, hein. Oui, enfin, ce qu'on voulait dire, c'est qu'avant de créer Louise Attac, on avait un groupe où on avait plutôt des instruments électriques qui fonctionnaient pas bien. Arnaud n'en faisait pas partie à cette époque, et un jour, avec Robin et le batteur de l'époque, qui s'appelle Alexandre Margrave, on s'était décidé à, plutôt d'avoir des instruments électriques, de prendre des instruments acoustiques, en se disant, mais on peut continuer à jouer avec une certaine dynamique, qu'on pourrait appeler punk, si on veut faire court. Et c'est ce qu'on a fait. Et Louise Attac, c'est une des déclinaison d'un des groupes qui est pour nous un groupe phare, qui s'appelle les Violent Femmes, qui est un groupe pas si connu que ça en France, qui est un groupe de Milwaukee, mais qui est très important pour nous et qui joue, parce qu'ils ont repris du service il n'y a pas longtemps, c'est un trio et qui joue que des instruments acoustiques avec une certaine tonicité, je dirais. Donc on s'est appuyé sur leur démarche pour essayer d'avoir la nôtre. Donc tout notre ADN vient de ce groupe. Si vous écoutez ce groupe, les Violent Femmes, écoutez les deux premiers albums en particulier, et vous verrez l'ADN est là. Et notre petite chance, c'est que c'est le chanteur de ce groupe qui a produit nos deux premiers albums. Donc on était plus qu'heureux, après avoir fait un clin d'œil dans le nom à ce groupe-là, d'avoir le chanteur pour producteur. Et puis il y a cette histoire assez marrante de cassette avec 6-8 titres enregistrés, envoyés, papier craft. Ouais, tout ça c'était la bricole, ça, c'était quoi. Le début, ouais, c'était le début, c'était intéressant. Et Arnaud Samuel est arrivé juste après avec son violon. Exact. Suite à une petite annonce. Oui, c'est ça. En fait, aussi bien Robin, Gaëtan, Alex et David à l'époque avaient leur groupe de leur côté. Moi j'en avais un aussi de mon côté. Et en parallèle, on a fait nos tentatives et qui n'ont pas forcément abouti. Mais par contre, Arnaud, moins que nous. Élégamment dit, je trouve. Bon, elles ont abouti quand même un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup, quoi. Et assiste. Lorsque Robin et Gaëtan et Alexandre ont décidé de changer de formule, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis une petite annonce dans un seul studio de répétition que je fréquentais. Et qu'un ami guitariste à moi m'a transmise l'annonce. Et j'ai hésité quelques jours, et puis après j'ai appelé. Et je suis tombé sur la fiancée de Robin de l'époque. Et après, on répétait dès le lendemain. Fiancée de Robin dès l'époque. Ouais. Et tu as changé combien de fois, Robin ? C'est son nom, de l'époque. Et il m'a dit, oui, bah d'accord, ok. Et on répète demain à Bastille, un autre studio de répète que je fréquentais aussi. Et à ce moment-là, les deux morceaux qui étaient sur l'établi, c'était Amour et Les Nuits Parisiennes. Oui, c'est ça, les deux. Du premier album. Ouais, j'ai vu ça. Bon, mais c'est bien, il y avait. C'était Caravage à l'époque. Pour nous, c'était Caravage. Exactement. Ouais. Petit clin d'œil à la ville et aux peintres. Mais c'est vrai qu'on balbutiait sans arriver à être convaincant. Et peut-être même convaincu nous-mêmes. Je crois qu'on cherchait un moyen d'expression. Et moi, j'ai le souvenir, quand on a pris une basse acoustique pour Robin, une guitare acoustique pour moi, des ballets pour la caisse claire, pour le batteur Alexandre à l'époque, et la rencontre avec Arnaud, que tout d'un coup, même de travers, même avec 1000 défauts, il y avait quand même quelque chose qui nous exprimait. Ça, c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur, moi, je trouve. Et c'était précieux. Moi, je me rappelle de ces moments-là comme, ah, peut-être que là, personne n'aura envie de nous écouter, mais nous, on aura exprimé ce qu'on voulait. C'est se retrouver au bon endroit à un moment. Le bonheur, c'est cette idée-là. Et ça, c'était très, très plaisant.
quand on fait de la musique et que tout d'un coup on a l'impression qu'on parle d'une seule voix, il y a quelque chose de touchant, de très tendre, que moi je garde en tête et dans mon cœur. On va parler de plein de choses avec vous. La Louise Attaque sont avec nous. Gorillaz, ça vous dit quelque chose? Clint Eastwood. Ah oui, très bon choix. Je sais que vous aimez. C'est sur RFM. Louise Attaque sont nos invités. On est très heureux de recevoir Robin Fex, Arnaud Samuel et Gaëtan Roussel. Réédition, nouvelle édition le 1er septembre. C'était il y a une petite semaine avec 4 inédits avec toi. Grazie, tu t'en vas. Nous, on veut vivre nous en duo avec Texas. Alors, oui. Comment ça s'est passé avec Charline? De manière magnifique. C'est quelqu'un d'adorable qu'on connaissait pas. Extrêmement différente et ça colle parfaitement, mais c'était exact, une audace. Oui, et ben, c'est ça qui vaut le coup dans les rencontres, c'est d'aller vers des gens qui vont vous modifier un petit peu et qui, quand on va commencer à jouer du rebond, si on a une balle et qu'on s'amuse à jouer ensemble, ce qui est un peu le cas, la musique c'est un peu cette idée-là, si chacun trouve sa place, et avec les instruments et avec les voix, ça donne quelque chose que vous n'auriez pas pu faire tout seul, ce qui est intéressant. Et c'est le cas avec Texas, avec Charline et Johnny, qui est son acolyte de toujours. Et ce qu'ils nous ont renvoyé, parce qu'on a fait à distance, elle était à Londres à ce moment-là, et nous occupés ailleurs. Donc on s'est parlé beaucoup, d'abord, avec Charline au téléphone. Et après, elle a fait des tentatives qui ont été parfaites d'entrée. Au niveau texte, au niveau première fois qu'elle chante en français. Exactement. Alors ça, on était touchés. Ça, c'était, voilà. Quand j'ai eu le téléphone, je lui ai dit, est-ce que je chantais en français? Elle l'avait prévu, hein, donc c'est pas grâce à nous. Elle avait prévu de le faire, mais c'était, on en était heureux. Et elle le fait bien. Puis on avait un refrain, elle nous a fait un refrain sur un refrain. Enfin, c'est une chanson qui a été totalement modifiée, qui appartient autant à eux qu'à nous maintenant. Oui, parce que c'est une chanson qui existait déjà dans l'album. Tout à fait, qui était sur la version originale. Oui, oui, tout à fait. Ben, justement, je vous propose de l'écouter, chers amis, Robin, Arnaud. Nous, Gaëtan, ce duo qui fait partie de cette nouvelle édition de l'album Planète Terre. Nous, on veut vivre nous, c'est le titre qui existait. Et puis maintenant, ça devient All I Want. Ouais. Something comme ça. Ouais, exactement. Puis elle dit bonjour, tout ça. Je l'aime beaucoup, moi. Elle est agréable, très agréable. On l'a reçue dans les studios de RFM, bien sûr. Louise Attaque avec Charline Spiteri. Nous avons la chance d'accueillir les Louise Attaque Planète Terre. Vous avez vécu de grands moments, là, cette année, là, pour cet anniversaire, les 25 ans du premier album. Hein, vous avez fait une tournée incroyable. Et puis, j'ai trouvé d'une grande générosité vos concerts gratuits. Ça, je dois dire que je suis bluffé. C'est exceptionnel, quand même, de faire ça. C'était à l'Élysée Montmartre. Oui, c'était l'anniversaire. Un anniversaire, quand on invite des gens, c'est gratuit. Nous, c'était pour dire merci. S'il y avait un mot pour résumer tout ça, c'était votre pour anniversaire, dire merci. Les 25 ans de premier album. Donc, on a invité les gens à la fête. Et on a fait une fête qui a duré toute une journée. Et comme tu dis, on a fait 6 concerts où on jouait le premier album dans l'ordre, dans son intégralité. Et à partir du moment où on a vécu ça, on s'est dit, c'est quand même plaisant. On pourrait partir en tournée avec cette idée-là, en deux mots, jouer cet album dans l'ordre, dans l'intégralité, une scène centrale, mais partir qu'avec les chansons d'hier, c'était dommage. Donc on s'est mis dans une maison pour écrire le nouvel album qu'on a enregistré, et on est parti en tournée avec toujours cette idée, premier album dans l'ordre, scène centrale, et la deuxième partie, toujours avec notre scène centrale, c'est plutôt Planète Terre et des chansons des autres albums. Donc c'est un plaisir, et c'est vrai qu'on a été accueillis tout sourire. C'était la folie. Plaisant, c'est pas plaisant, le terme est pas assez bon. C'est touchant, c'est de l'élan pour 10 ans, tout ça. Robin, comment vous vivez la scène comme ça? Comme un rêve. Comme un rêve, je dirais. Le rêve continue? Voilà, exactement. Ça fait 25 ans que le rêve ne veut pas s'arrêter. Et il est de plus en plus fort, presque. Enfin, cette année, la rencontre avec les gens, c'était... il y avait des gens de tout âge, quoi. On avait déjà rencontré ça, mais là, c'était vraiment marquant. Notamment, beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'ados. Ça t'a surpris, t'as les enfants? Oui. Enfin, en tout cas, de jouer devant des enfants. Mais c'est culte, les chansons sont cultes maintenant. Je crois que tout le monde le connaît, les enfants aussi. C'est vrai. Ça, c'est une belle réussite, je trouve. Ça, c'est quelque chose d'important, je trouve, pour un groupe comme ça, comme le vôtre. Je sais que le premier album, c'était le plus vendu d'album rock français. C'est 3,3 millions. C'est quand même considérable. Bah oui, puis ça sous-entend que les gens qui avaient notre âge il y a 25 ans, qui ont donc notre âge aujourd'hui... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ont 25 ans de plus, mais nous aussi, donc on est tous dans le même bateau, ont des enfants qui viennent au concert, et les ados aussi. C'est vrai qu'on avait fait une tournée il y a 5-6 ans, on avait ressenti de l'engouement, les gens étaient toujours là, mais... 25 ans, il y a autre chose qui s'est passé. C'est le temps s'écoulant. On a l'impression que finalement notre vie se rapproche des gens. Nous aussi, les gens se rapprochent de nous. Peut-être que la vie c'est comme ça. C'est un petit peu
cyclique, c'est pas le bon terme, mais avec des reliefs, pas des hauts et des bas, des reliefs qui font que parfois on est un peu plus proche, parfois tout le monde se met à écouter un peu autre chose, puis revient comme un mouvement. Et là, on est dans un mouvement, on est proche des gens qui écoutaient il y a 25 ans, des ados qui sont peut-être les enfants de ces personnes qui nous écoutaient à 25 ans, et des encore plus jeunes. Et ça, c'est un bonheur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qui nourrit ce qu'on va aller faire, sans doute, ou peut-être chacun de notre côté, et puis dans tant de temps on va se dire, ben, on revient, comment on fait, qu'est-ce qu'on pourrait jouer, qu'est-ce qu'on fait comme nouvelle chanson, tout ça, il faut que ça vienne de quelque part, et moi je suis intimement convaincu que ça vient de ce que les gens nous donnent quand on est en concert. Mais justement, je suis sûr de ça. Tu parles de ceux qui vont à côté, quand vous allez parfois à côté, cette colonne de Louise Attaque, je crois que c'est important, c'est justement, c'est que vous arrivez à faire d'autres choses à côté, donc ça doit enrichir le groupe, parce que c'est quand même rare de voir, et toi aussi Arnaud Samuel, tu vas jouer ailleurs et tu participes aussi à d'autres albums, je crois que ça doit enrichir Louise Attaque, Arnaud. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. Au tout début c'était un petit peu ça devait être difficile quand même, non? Ça doit être difficile au départ, non? Oui, au départ. Bah si, par exemple, t'as Gaëtan qui fait son album, toi, Robin, tu vas ailleurs aussi, toi aussi. Au début, ça a commencé par le fait de se dire, après le deuxième album de Louise, on s'est dit, là, on s'inspire plus tellement, et on a eu le réflexe de faire pause, au lieu de dire, on s'arrête et puis on rompt, par exemple, ça aurait pu être une rupture, mais on a eu ce réflexe de s'oxygéner autrement, en faisant chacun de nos aventures personnelles. Et au départ, c'était pas forcément facile à appréhender. Mais avec le temps, par contre, on l'a fait plusieurs fois. Et à chaque fois, ça nous a permis de faire des choses créatives, individuellement. Et on pense qu'en effet, ça nourrit le groupe lorsqu'on se retrouve d'avoir eu ces expériences-là par ailleurs. Louise Attaque, ils sont avec nous, Planétaire, nouvelle édition qui est sortie la semaine dernière, 4 titres inédits. On continue d'en parler avec eux dans quelques instants sur RFM, restez à l'écoute. Quelle belle heure avec Louise Attaque, Planétaire, nouvelle édition qui est sortie la semaine dernière, 4 titres inédits avec toi, Gratier, qu'on va écouter dans quelques instants. Tu t'en vas, on a écouté le duo avec Texas. Alors justement, vous avez ressorti les titres de Planétaire du premier album, vous avez rajouté ces 4. Comment on travaille là-dessus? Comment ça s'est passé? Il y a une tonalité dans cet album que vous avez lu conservé, il y a eu quelque chose de particulier? Il y a toujours une humeur. Il n'y a pas de concept, il y a une humeur, et je pense que l'humeur, elle est autant dans ce qu'on peut nous décider d'orienter ou de choisir, en se disant on voudrait raconter ça, on voudrait jouer avec tel instrument. Je pense aussi que l'humeur, elle est liée au moment. Et il n'y a pas tant de temps que ça entre l'enregistrement des 4 inédits, sachant qu'il y en a un du Wake Texas qui était déjà existant, on s'est appuyé sur nos enregistrements de l'année d'avant, et donc je pense que ce qui est surtout présent, c'est voilà ce que nous sommes en ce moment, comme une photo. Alors c'est pas au temps T, c'est plutôt à l'année, on va dire, et c'est là où, à mon avis, ces chansons, les 4 nouvelles, 3 en particulier, s'intègrent dans ce disque-là. Elles n'ont pas été faites exactement pareil, puisque on était ensemble, entre guillemets, enfermés dans une maison pendant 25 jours pour faire la base de ce disque. Là, on l'a fait plutôt à distance et on s'est retrouvés dans un studio. Mais ce qui reste de présent et qui fait que ça va dans ce disque-là, c'est que c'est voilà ce que nous sommes maintenant. On n'aurait pas fait comme ça il y a 5 ans, on ne fera pas comme ça si on refait de la musique dans 3-4 ans. On va écouter Gratier maintenant, Louise Attaque. Quelques mots sur Gratier. C'est comme un rêve, moi, je trouve. C'est comme quelqu'un qui rêve et qui a cette chance-là, comme dans plein de rêves, c'est qu'il est bilingue. Oui, il connaît quelqu'un qui sa mère est italienne. Oui, j'aime cette démarche-là. Ouais. Tout le monde a rêvé d'être ici ou là, comme ceci ou comme cela, peu importe. Donc, moi, je l'ai toujours vu un peu comme ça. Et voilà, et merci. Et merci pour les moments. On en a tous des moments où tout s'aligne. Ça dure parfois des années, ça dure parfois une seconde, peu importe. Ça reste, en tout cas. Et donc ça devient intemporel, même les rêves. Donc pour moi, c'est un doux rêve. Vous avez l'impression que tout s'aligne, Robin, Arnaud, Gaëtan, tout s'aligne en ce moment? On peut dire que depuis, en effet, ce qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire l'anniversaire de l'an dernier des 25 ans, on a évolué dans quelque chose qui... On a l'impression de progresser, en fait. C'était ça qui était très agréable. Je voulais juste faire une parenthèse, d'ailleurs, sur la scène actuelle. En fait, on s'est fait, évidemment, aider par toute l'équipe qui travaille aussi pour faire en sorte que ce concert en deux parties, première partie plutôt... Enfin, premier album dans l'ordre, donc avec des instruments acoustiques à 4 et tout ça, et deuxième partie qui s'étoffe davantage et qui propose autre chose. Ça nous a permis de progresser aussi en termes
de mise en scène, je pense, grâce à tout le monde. Allez, Louise Attaque, un titre inédit qui fait partie de la réédition de cet album. Grazie, vous êtes bien sur RFM. Louise Attaque avec nous, je le redis, nouvelle édition depuis le 1er septembre de Planète Terre, quatre titres inédits avec toi, Grazie, qu'on vient d'entendre, Tu t'en vas, Nous on veut vivre, Nous en duo avec Texas. C'est vraiment un grand bonheur de vous accueillir, les amis. On va parler de votre tournée, évidemment, qui continue d'ailleurs ce soir. Vous êtes à l'Accor Arena, c'est complet. Et demain, il reste encore un tout petit peu de place. Quelques petites places. Alors, il faut quand même le dire. Vous serez également à Nice le 27 au Palais Nicaïa, le 28 à Marseille au Dôme, bien sûr. Là, vous faites les grandes salles. Vous. Et le 30, Chambéry, le Phare. Moi, c'est tout ce que j'ai comme date. Il doit y en avoir d'autres peut-être encore. Non, on a fait nos dates avant notre tournée d'été qui était assez grande, parce qu'on a fait une petite trentaine de festivals. On avait fait une grande dizaine de zéniths. Et là, on termine comme ça. Donc, on aura fait 40 et quelques dates. C'est ce qu'on s'était proposé, je sais pas si c'est le bon terme, mais ce qu'on s'est dit de faire, fixer, voilà, c'est l'idée qu'on avait. Si tu veux des mots français, tu me demandes. il va m'engueuler. Non, l'interview est encore longue, j'aurai le temps de vous épingler, monsieur Montiel. Allez, on poursuit avec un titre que je suis sûr que vous allez aimer, c'est The Cure, Close to Me. C'est Louise Attaque avec nous sur RFM. Louise Attaque est avec nous, quatre titres inédits avec toi, Grazie, Tu t'en vas, Nous on veut vivre, Nous en duo avec Texas, c'est la réédition de l'album Planète Terre. Robin, c'est toi le graphiste, entre autres, du groupe. Alors cette Louise que tu avais caricaturée il y a longtemps, dès le début, elle a vieilli, Louise, un petit peu, elle a changé un peu, non ? Ouais. Elle a pris 7 ans, moins. Un peu plus. Oui. Non, elle a pris 25 ans en fait. Elle avait 7 ans au départ. Elle écrivait elle écrivait des lettres au patron de bar pour qu'on c'était signé Louise. Et elle écrivait comme une petite fille de 7 ans à peu près, ouais. Ouais, c'est gentil, d'ailleurs tu m'as fait un dessin, j'en suis très flatté et ravi. Et alors cette Louise, elle va évoluer ou elle va rester comme ça ? Parce que là elle a un peu changé. Mais en fait elle c'est votre identité ça maintenant, hein. Mais je j'espère. Ah oui, c'est votre identité. Parce qu'il paraît qu'au début, vous ne vouliez pas, et Gaëtan l'avait déclaré il y a très longtemps, je ne voulais pas qu'on voit nos têtes. Disons que, je ne sais pas si j'ai dit ça comme ça. Si. La réflexion. si, c'est gentil. Monsieur Montiel, la parole est à Louise Attaque. Alors, veuillez ne pas interrompre la défense, s'il vous plaît. Par contre, oui. En parlant sérieux, oui. Ce qu'on souhaitait, moi je vais le dire en positif, c'est pas qu'on voulait pas quelque chose, c'est qu'on voulait incarner notre musique d'une certaine manière. Et l'incarner avec ce dessin était une manière qui nous correspondait. Ah, joli mot. Très joli. Très joli, mais bon. Moi, j'ai lu que tu avais dit, je ne voulais pas qu'on voit nos têtes au début. Mais regarde, il y a nos têtes derrière toi, devant nous, il y a les deux têtes partout, là. À l'époque, il y avait une volonté de faire différemment. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Robin, magnifique. Hein. C'est génial, je trouve. C'est Merci. Très symbolique et c'est, à un moment, ça vous appartient, quoi. C'est très identité. C'est une identité forte, hein. Je trouve que c'est très intéressant. Allez, on poursuit avec Kylie Minogue et Nick Cave. Where the wild rose grow. Putain, si j'ai réussi à le dire, c'est sur RFM. Très beau morceau. C'est surréaliste. Moi, c'est dramatique. Qu'est-ce que vous foutez des titres de 15 km de merde ? Mais le morceau. En plus. Le morceau est génial. Évidemment, alors moi, tu gardes tout. Moi, je m'en fous. Ah, génial. Tu gardes tout. À chaque fois, j'ai un problème avec 15 km de phrase. Déjà que j'ai une mauvaise vue, pour être clair aussi. Non, mais tu sais, faut plus faire d'émissions avec des vieux, je te promets. Le blind test. Une heure avec. Au moins, il rigole. Mais oui, je parle très très bien anglais. Ça fait rire beaucoup, Gaëtan. T'es pas gentil, Gaëtan, franchement. Si. Attends, non. Je suis très bon public, tu rigoles, tu l'as dit vrai. Parfaitement bien. Ah, il recommence. Bon, on va voir si vous êtes fort. Redis-le pour moi. Where the wild rose grow? Où est-ce que les roses poussent? C'est pas Maybe ça. Wait. Sauvage. Ah, Arnaud qui la ramène. Bon, tiens, on va voir si vous allez bien la ramener. Là, je vous propose un blind test. Non, c'est très très facile. Allez, on c'est se très très facile. Non, mais c'est facile. Vous allez trouver. C'est surtout que je voudrais que vous parliez des personnes. Des personnes qu'on évoque là maintenant. Vas-y. Le mistral ne tombe pas. Si vous trouvez pas, là, c'est honteux à vous. Rendra peut-être fou
à chanter plus fort que nous sur une feuille. Robin, je crois que t'as trouvé. Ouais, je crois que c'est un des guitaristes de Gaëtan qui s'appelle Paul Pavillon, avec qui on a joué d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Exactement. Paul Pavillon, c'est gentil de passer son. Ben oui, il a fait une première partie. Ouais, tout à fait, on l'a invité. Ah ouais, parce que c'est important quand on joue de faire une caisse de résonance. Nous, on nous a invités à nos débuts, donc inviter les copains ou des gens qu'on aime bien ou les deux fait partie de ce qu'on peut faire pour les autres quand nous on a la chance d'avoir des gens qui viennent nous voir. Donc on l'a invité aux arènes de Bayonne et voilà. Et sinon, à côté de ça, c'est aussi quelqu'un avec qui je joue, puisque dans mes projets solo depuis deux tournées, c'est le guitariste de l'équipe. Je sais, tu l'avais reconnu tout de suite, bien sûr. Ah ben bien sûr, mais moi je peux pas le dire comme ça en une fois. Mais c'est vrai. Oui, non, mais Robin l'a reconnu plus vite que moi, peut-être. Oui, Robin est très fort. Arnaud se demande encore qui c'est. Arnaud, tu sais qu'on est sur AFM. La radio de Montiel, c'est ça. Allez, deuxième titre. Les petites coupures. Là, j'ai reconnu aussi, mais je vais pas le dire. Ben, non, mais ils savent. Oh Arnaud, tu fais une tête, ça va Arnaud, tu m'as capé. Bien sûr. Arnaud, c'est qui? Daniel Auteuil. Ah. Voilà. Alors, on a comment vous trouvez-vous ce cher Daniel Auteuil, Arnaud? Sa question embarrassante. Alors, il se trouve que je l'ai rencontré chez Gaëtan, il est hyper sympa. Oui. Voilà. Et puis, je sais que Gaëtan et lui, ils ont travaillé ensemble pour cet album. Mm-hmm. Malheureusement, j'ai pas pu voir le concert, mais voilà, le prochain, je vais y aller. Alors moi j'ai vu, tu sais quand on avait fait une interview. Bien sûr, je me rappelle, bien sûr. Ça c'était sur le premier déjà. C'était le premier déjà, oui. Tu étais à la captation et tout. Il y en a deux albums. Ah, je sais. Tu sais, Arnaud, Samuel, il sait tout. Et Robin ? Ouais, bah moi ce que je trouve quand même formidable, c'est donc une carrière d'acteur, mais avec peut-être dans son cœur une envie de faire de la musique depuis donc des années et des années. Bien avant le cinéma. Et il en avait fait à l'époque aussi. Et, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, mais c'était pas terrible. Hein. Oui, voilà. Si, il y avait une chanson qui était bien. Ah bon, c'était ouais. Quoi ouais, dis donc. Youp la boum. Stop. Youp la boum. La bim. Voilà, ça c'était ah, bien. Oui. Ça. Ouais. C'est un tube. Un peu de respect pour mon ami, mon grand ouais, ami. Bah oui. Non, non, moi, je suis très respectueux, Robin. C'est joli ce qu'il dit, c'est bien. Oui, bah en tout cas, c'est beau. Enfin, il se lance, il fait pas ça à moitié, quoi. C'est ça qui est vraiment, enfin, je trouve, admirable, en fait. Il se lance dedans, mais à fond, quoi. Ouais, c'est moi, je confirme, parce que ouais. De l'intérieur, ah, c'est exactement ce que Daniel fait. C'est pas, il veut pas chanter en passant, il veut chanter. Ouais. Totalement, vraiment. Oui, ça n'empêche pas évidemment que son cœur est au cinéma, mais il le fait comme le décrit Robin. Moi, je le vois de l'intérieur avec passion. Il a fait un premier album où il a glissé un peu de texte à lui, ses musiques et pas mal de textes d'un auteur qui s'appelle Paul-Jean Toulet. Ouais. Sur le deuxième, il a écrit tous ses textes. Moi, je trouve que Daniel, il écrit très très bien. Ouais. Donc, avec sa casquette de chanteur, il y a aussi sa casquette d'auteur, de compositeur. Et voilà. Et je sais qu'il est en train encore d'écrire des chansons. Et ça, je trouve ça super. C'est totalement entier comme démarche. Voilà. C'est un grand acteur et un excellent chanteur qui a une vraie ambiance, une atmosphère autour de lui. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait quand oui, il est sur scène. Il y a tellement d'authenticité que ça touche forcément le public. Oui, et puis il incarne à merveille. À merveille, la scène, ça le connaît, même si, évidemment, le théâtre, comme il le dit si bien, c'est différent de la musique, puisqu'au théâtre, il y a ce qu'il appelle le quatrième mur, c'est-à-dire le texte est écrit, là, il n'y a pas ce quatrième mur, et c'est le public, et donc il y a une interaction avec le public qui peut se faire, et qu'il fait à merveille, parce qu'en plus, il est très drôle. Donc, ouais, il est fort. Un grand monsieur. Un autre titre. Moi, j'ai trouvé. Bah oui. Mais eux, ils savent ou pas? Bah, Arnaud pas, et Robin, est-ce qu'ils savent? Attends. Est-ce qu'ils savent? Bah oui, ils savent. Est-ce que vous vous intéressez au travail de Gaëtan? Ah, ça rame un peu. Non, Robin, ne regarde pas Gaëtan, il va pas t'aider. Oh, les têtes qu'ils font. Alors, attends, les amis, attends. Je vous invite à retrouver rfm.fr. Vous allez voir les têtes de mes amis. Il y a Robin qui fait une tête de 15 km et Arnaud, c'est pire. Je me rappelle pas de cette intro. Ah ouais, d'accord, ok. Alors oui, ok quoi? Ok, le duo avec Adjani, les courants d'air. Bravo. Oui, c'est très récent.
Bah oui, c'est très récent, mais nous sommes dans la pointe de la mode ici, enfin il n'y a pas de problème. J'avais pas reconnu un trou, je me rappelais plus que ça commençait comme ça. Voilà. C'est beau, c'est magnifique, j'ai trouvé. Moi, c'est un grand bonheur d'avoir eu cette relation épistolaire avec cette grande dame qui est Isabelle Adjani. Et voilà, donc je suis très heureux. En plus, c'est sur, des, sur un terrain musical qui n'est pas forcément un terrain que j'avais côtoyé. Donc ça, ça me plaît dans la démarche. Et puis, elle a une démarche, elle, qui est super, où en fait, finalement, c'est, tout se faisait sur le moment avec une liberté assez grande. Et ça, c'était plaisant et assez touchant. Donc moi, je suis très heureux d'avoir pu partager cette chanson avec Isabelle Adjani. Et j'espère peut-être que pour un jour, on pourra la chanter. Ça me ferait plaisir. En duo, ensemble, bien sûr. Ouais, c'est toi qui l'as contacté ou c'est... C'est via Pascal Obispo. Ouais. Pascal Obispo a conduit ce disque de duo que Isabelle Adjani sort dans pas longtemps. Je pense, je suis sûr même qu'il y avait pas mal de chansons qui étaient déjà existantes. Et ils ont tous les deux décidé de contacter différentes personnes pour rajouter quelques chansons. Mmh. Et pour mon plus grand bonheur, j'en faisais partie. Et donc Pascal Obispo m'a appelé en me disant j'ai une musique. Il y a même Christophe. Voilà. Il y a Benjamin Biolay. Ouais. Il m'a dit j'ai une musique, est-ce que ça te tente? J'ai dit oui, est-ce que tu veux faire le texte? Donc voilà, donc moi j'ai amené le texte et la mélodie était là. Et voilà, et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans cette histoire et j'en suis très heureux. Mais Gaëtan Roussel, le cinéma, c'est une belle histoire d'amour. En dehors d'écrire des génériques et de l'album de Rachida Brakni aussi. Ouais, j'ai cette chance-là. Ouais. On apprend des choses parce que l'approche de quelqu'un qui a une vision de l'expression et de comment raconter les choses quand la personne vient d'une autre sphère, d'un autre moyen d'expression, d'un autre médium, c'est intéressant. Donc avec Rachida, c'était très intéressant, ce projet Rachida Brakni, l'éditeur. J'ai appris des choses sur comment être sur scène, comment se caler ici et là, et j'espère d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que ça nourrit d'autres choses. Ça nourrit par exemple comment faire avancer les concerts de Louise Attaque après, en partageant avec les copains. Donc c'est des rencontres qui sont super et qui sont hors de la colonne vertébrale, et c'est essentiel. Essentiel. Les amis de Louise Attaque, Planétaire, 4 inédits. Choisissez un des inédits que je vais diffuser maintenant, parce que la mission est presque terminée. Choisissez. Gratier, on l'a des amis. Choisissez avec toi, tu t'en vas. Tu t'en vas. Texas, tu t'en vas. Ah oui, clairement, tu t'en vas. Pourquoi tu t'en vas? Parce qu'on s'en va. Les mecs. C'est très tôt aujourd'hui. Bah, allez, tu t'en vas. Un des titres inédits de cette réédition de l'album Planétaire. Le plaisir d'avoir reçu Louise Attaque, Arnaud Samuel, Robin Fex et Gaëtan Roussel. C'était un grand bonheur de vous avoir accueilli dans l'émission. Plaisir partagé, Bernard, vraiment. Ouais, à chaque fois, hein, Gaëtan. À chaque fois. Moi, j'aime bien quand tu veux. Quand vous venez, à chaque fois. Bah, nous, on aime bien venir. Ouais, moi, c'est ma première fois, j'ai bien rigolé, c'est vrai. Ça m'informe. J'espère qu'on a donné des infos. C'est tonique le matin. Ah, oui. C'est bien, non? Ouais, c'est sympathique. Les auditeurs, ils aiment bien quand on s'amuse avec les artistes, qu'on rigole, que ce soit décontracté. Le message passe mieux, tu sais. Rien de mieux pour faire un bon concert. Ce soir. Donc, ben voilà, je vous souhaite le meilleur ce soir pour Paris-Bercy, Accor Arena, évidemment. Merci. Et demain aussi, je rappelle qu'il reste quelques places. Et je rappelle, vous avez la chance, les Niçois, ils seront le 27 avec vous au Palais Nicaïa, le 28, je le rappelle, à Marseille, au Dôme, et le 30 à Chambéry, le Phare. Les amis, merci beaucoup. Merci. C'était merci vraiment beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir une femme sublime, une actrice, une très grande actrice, Diane Kruger, à l'affiche du film Vision avec Mathieu Kassovitz. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFM. Merci les Louise Attaque. Merci. Merci.